少女はお茶会に遅れないよう、もう何日も眠ることができない、いや寝れないでいる、寝たらダメだ、寝たら死ぬ。Si j'étais bien né dans l'une de ces familles qui exploitèrent mes parents plutôt que chez les crèves-la-faim, ma tête serait sur un billet de banque et pas au bout d'une corde. Cette phrase ne vient pas du livre d'un penseur révolutionnaire allemand du 19e siècle, mais d'une autobiographie, Chabat, qui parle de misère, d'exploitation et des tréfonds de l'âme humaine comme des dérives d'un système japonais en pleine réforme et qui faisait sa révolution industrielle et culturelle en laissant les gueux sur le bord de la route. À l'époque où Daimai Ryun, dont je vous ai parlé dans une vidéo dédiée avec l'ami Max Kai, sillonnait les routes du Kanto et du Kansai en quête d'un mauvais coup, il aurait pu et a peut-être pu rencontrer un autre de ces grands anciens du crime en série japonais, celui-là même qui, au crépuscule de sa vie, se pencha sur sa condition et celle de ses semblables, et coucha tout cela dans un livre mémorable, Fukiage Sataro. Figure emblématique des archives criminelles nippones au point d'en rester une référence dans les études de psychologie criminelle, ce tueur, violeur, sadique, sociopathe et pédocriminel n'en fut pas moins un homme extrêmement intelligent et fruit de la misère de son époque, qui a excité tous les fantasmes idéologiques des années à venir. Son origine plus que modeste, le fait qu'ils doivent travailler très petit et ne pas aller à l'école, la prostitution infantile qui jalonna sa vie et son entourage ont alimenté les discours des sociologues marxistes japonais des années 20 jusqu'aux années 70, justifiant la violence des classes populaires se rebellant contre les élites qui les affament. Sakai Toshihiko, fondateur du premier parti communiste japonais en juillet 1922, fut un ardent défenseur de Fukiage et écrit plusieurs articles pour parler de la condition des prolétaires japonais et de l'exploitation des anciens ouvriers agricoles du système féodal, devenus esclaves du capitalisme roi. L'économiste marxiste Kawakami Hajime, auteur de Bimbo Monogatari, les récits de la pauvreté, paru en 1917, et qui prêchera la révolution et l'instauration d'une république soviétique au Japon, se rendra quotidiennement au procès du tueur en série pour faire un symbole des conséquences de l'exploitation humaine et de la misère, l'aidant même, d'après certains, à rédiger son autobiographie. Plus prosaïquement, même si la vie de Fukiage fut passionnante comme indicateur d'un cheminement criminel enraciné dans sa condition sociale initiale, il n'en reste pas moins le violeur et tueur en série japonais parmi les plus terribles de l'histoire moderne et contemporaine. Je vous propose donc de nous replonger une fois encore dans le Japon post-médiéval du 19e siècle en suivant l'histoire de celui qui fut surnommé le monstre de Kyoto, Fukiage Sataro. Fukiage Sataro est né en février 1889 dans le quartier de Shimogioku dans la ville de Kyoto. On ne connaît pas le jour exact de sa naissance, chose assez répandue à cette période de l'histoire du pays, surtout dans les classes populaires. La restauration Meiji ayant eu son lot de batailles et d'incendies de ville, beaucoup d'archives ont disparu et dans les familles modestes comme les Fukiage, on ne possédait pas de calendrier et n'avait pas toujours le temps d'aller déclarer la naissance d'un enfant. Son père était artisan constructeur de métier à tisser et fournissait les filatures de la ville. Il était d'origine très modeste, arrivé à 16 ans de son village de Tamba sans éducation. Il avait réussi, après avoir travaillé pour des drapiers et des fournisseurs d'uniformes, économisé sou après sou, il avait monté son atelier dans le quartier de Nishijin. Sa mère, qui l'aidait dans son travail, était la fille du bourreau de la prison de Tokyo à l'époque où elle s'appelait encore Edo. Il avait exécuté des partisans de l'Empire pour le compte du shogunat toute sa vie, emmenant parfois avec lui ses enfants à ses spectacles qui réjouissaient régulièrement la population. Sataro était le premier-né, mais très vite et à rythme régulier, les frères et sœurs vont arriver et il sera très jeune désigné d'office pour s'occuper d'eux pendant que ses parents travaillaient.
assurance vieillesse et main-d'œuvre bon marché dès le plus jeune âge. Les familles les plus modestes de cette période de l'histoire faisaient beaucoup d'enfants, confiant parfois à des monastères pour leur éducation. Alors, à l'âge de 6 ans, le petit Satalo avait déjà un frère et trois sœurs et s'occupait d'eux pendant que les parents travaillaient. La famille vivait dans une remise de l'atelier familial, lui-même dépendance d'une grande filature qui le leur mettait à disposition en échange d'une partie du travail fourni. La demeure familiale prêtée par la firme consistait en une grande pièce de terre battue avec un coin en tatami pour y poser les ftons, celui des parents et celui des enfants qui dormaient tous ensemble. Les cloisons de bois n'isolaient en aucun cas le bruit incessant des métiers à tisser qui faisaient les trois huîtres rendant l'atmosphère chaotique nuit et jour. Bien sûr, Satalo et ses frères et sœurs n'allaient pas à l'école, les parents n'en avaient pas les moyens, et de toute façon, les enfants devaient aider à la maison et à l'atelier en attendant de pouvoir travailler à l'extérieur et ramener un salaire de plus. La nourriture étant rare et chère dans les grandes villes de l'ère Meiji en pleine extension, les enfants devaient se contenter de riz brun, pas toujours de l'année, et de soupe de reste du marché. Fukage écrira plus tard qu'il lui arrivait régulièrement de ne pas pouvoir dormir tant la faim lui tordait le ventre et le faisait délirer. Il écrira aussi « Les pauvres oublient la faim grâce au sexe », ce qu'il mettra en pratique très tôt, mu dès l'enfance par une curiosité sensuelle inhabituelle. Dès l'âge de 8 ans, il fera subir des attouchements à ses sœurs pendant ses nuits d'insomnie. C'est cette année que choisiront ses parents pour l'envoyer travailler. Ils lui trouvèrent un emploi de petite main dans une filature du quartier, et Fukage dira avoir été plutôt content de son sort. En plus de son salaire, il avait droit à trois repas par jour et à une chopine d'alcool de riz, boisson à laquelle il prendra goût très vite. Mais le travail était dur, les métiers à tisser grands, dangereux et difficiles à manier, et le petit garçon de 8 ans devait travailler 12 heures par jour. Sa seule satisfaction était d'écouter les conversations grivoises de ses collègues adultes qui parlaient du corps de leurs femmes et de ceux des prostituées qu'ils s'offraient avec la paye de la semaine dans les bordels tenus bien souvent par les patrons des entreprises eux-mêmes, comme les magasins d'alimentation d'ailleurs. Un autre de ses plaisirs était d'apercevoir les chairs des femmes de son atelier qui se rendaient au bain public après le travail et qu'il observait par un conduit d'aération. À la nuit tombée, épuisé, il buvait encore, souvent de l'alcool volé aux hommes de son usine en s'endormant comme une masse. À force d'entendre les récits des hommes de son atelier, dont certains étaient d'anciens soldats de l'empereur, le gamin se mit à rêver d'un peu plus d'ailleurs et de liberté. Alors un soir, voyant la porte de la direction ouverte, il entra et déroba quelques yens pensant au voyage qu'il pourrait faire et aux aventures incroyables qu'il pourrait vivre. Mais il fut immédiatement pris et renvoyé de la manufacture. Par égard pour son père, respecté par le directeur des filatures, il ne sera pas conduit à la police mais aura droit à une sévère correction paternelle. Après cela, comme il devait tout de même contribuer à l'entretien de sa famille, il assistera un marchand des quatre saisons qui pratiquait aussi les paris clandestins pour quelques sous, mais apprenant ce qu'il faisait, son père le mettra à la porte. Il connut une petite période de semi-vagabondage durant laquelle il enchaînera les petits boulots dans les filatures mais aussi dans les fabriques de papier, améliorant l'ordinaire en chipant sur les étals. Finalement, alors qu'il fêtait ses 11 ans, un tisserand qui appréciait son travail et sa bonne humeur l'embauchera. Il travaillera à l'atelier mais l'homme le prendra aussi à son service domestique, lui demandant de s'occuper des tâches du quotidien, de l'approvisionnement, du ménage et de petits bricolages. Une place inespérée pour un enfant de la rue. Il aura même une chambre avec un poêle à charbon. Cette chambre, il devait la partager avec la bonne de la maison, Eriko, une jeune femme de 17 ans issue d'une famille aussi modeste que celle de Fukage, qui avait été placée par ses parents comme cela se faisait beaucoup. Très vite, une relation ambiguë se créera entre le jeune tisserand de 11 ans, plutôt précoce, et l'employé de maison. Le jeune garçon espiègle, débrouillard et charmant passera vite de petit protégé marrant à confident, puis camarade de boisson et de tabac jusqu'à ce que les corps parlent. Ils deviendront amants après quelques semaines de service, mais le patron, découvrant les activités immorales qui se déroulaient sous son toit, renverra les deux amoureux.
Cette relation se poursuivra quelque temps, le couple juvénile vivotant avec l'argent mis de côté et les quelques larcins sans gravité sur des étals de la ville qu'il commettait, mais las de cette vie de traîne-patin, la jeune femme trouvera une place dans une autre ville et repartira. Le jeune amoureux, déçu et totalement fauché, reviendra demander asile à ses parents qui lui mirent comme condition pour son retour de trouver un travail honnête. Alors, le jeune Satalo se retroussa les manches et retrouva un petit boulot dans l'entreprise de charpente qui fournissait le bois à son père pour construire ses métiers à tisser. Il y travailla sérieusement et, en plus de verser une partie de son salaire à ses parents, mettra un peu de côté pour se payer du bon temps. Après un mois de travail, il avait assez économisé pour se payer une prostituée, il connaissait bien les tarifs, les hommes autour de lui ne parlaient que de cela. Mais arrivé au Bobinard, la mama lui en refusa l'accès, eu égard à son jeune âge, et il dilapida son argent dans l'alcool, faisant la connaissance de quelques petits voyous qui traînaient dans le bar et prirent en sympathie le jeune garçon un peu perdu. Ivre et frustré de n'avoir pas pu monter avec une fille, il viola sa sœur de 10 ans pendant que ses parents dormaient. Dans son livre « Shaba », il parlera de ces nuits de cauchemar qu'il faisait vivre à ses sœurs et que, une fois sa conscience politique éveillée des années plus tard, il imputera à sa condition sociale et à l'injonction bourgeoise au sexe, récompense immédiate et gratuite, enfin, pas toujours, du travailleur exploité. Dans la réalité, il violait ses sœurs et les menaçait du pire si elles parlaient. Toujours en quête de sensations fortes, il commencera à fréquenter le quartier chaud de Kyogoku et à peine 13 ans, en deviendra une figure. Il se montrera habile et malin au jeu de cartes et de dés et apprendra de belles techniques d'arnaque qui lui rapporteront pas mal d'argent. Sa première acquisition avec ses gains fut un couteau neuf et bien aiguisé qu'il pliait dans un linge et glissait sous sa veste à chaque fois qu'il sortait. Une nuit, alors qu'il jouait au mahjong avec des petites frappes locales, il perdit beaucoup d'argent et s'aperçut que le garçon d'en face trichait grâce à une technique qu'il ne connaissait pas, mais qu'il avait devinée et n'avait pas vu venir. Passablement éméché et très en colère, il renversa la table et sortit son couteau, puis le mit sous la gorge du tricheur. Il le dépouilla de ses gains et tenta de s'enfuir. Vite rattrapé par les clients de l'auberge, il sera livré à la police, passera au tribunal local en comparution immédiate et écopera d'un avertissement du fait de son jeune âge. Récupéré au poste par son père, il prendra à nouveau une solide correction et rentrera à la maison. Son père décidera alors de le prendre à ses côtés dans la manufacture pour mieux le surveiller. Fukiage se tiendra à carreau quelques semaines, mais un jour, il volera 10 yens dans la caisse, une belle somme pour l'époque, et partira à nouveau pour Kyogoku se payer une prostituée de l'alcool de riz. Ses relations dans la petite voyoucratie lui avaient ouvert les portes des bordels clandestins et les prostituées, souvent à peine plus vieilles que lui, provenaient toutes du même milieu miséreux. Filles placées par leur famille et détournées par les proxénètes locaux, peu scrupuleux. Le père s'apercevra vite du vol et, comprenant qui avait pu commettre un tel geste, ira à la police. Le fils terrible sera à nouveau arrêté, comparaîtra pour la deuxième fois et prendra 2 mois de prison. En cellule, il rencontrera un garçon de 17 ans condamné pour meurtre, qui passait ses journées le nez dans des livres et des journaux. Fils d'une famille de la petite bourgeoisie, il avait appris à lire et à écrire et fasciné Fukiage. Les deux garçons se lieront d'amitié. Il mettra ce temps de captivité à profit pour apprendre les rudiments de l'écriture, de la lecture et des mathématiques et commencera à lire avec grand intérêt. Il dira plus tard que ce premier séjour en prison fut plutôt agréable pour lui et qu'il y apprit plus de choses en 2 mois que pendant toute sa vie. Ses compagnons de détention, parmi lesquels des criminels endurcis, mais aussi des prisonniers politiques dont beaucoup de communistes, lui apprendront beaucoup de choses et pas seulement la littérature. À sa sortie de prison, Fukiage décida de changer de pâture et partit pour Osaka où il fit la connaissance de quelques tirs goussés avec qui il commença à passer ses journées et ses nuits. Rapidement, il fut repéré par la police locale qui l'interpella plusieurs fois pour vagabondage. La loi impériale imposant qu'une personne assise dans la rue dispose d'une somme d'argent minimum sous peine d'être arrêtée pour mendicité, le jeune garçon se fera logiquement embarquer et condamné par un juge pour mineur qui se montra plutôt clément et le confia à un centre pour mineurs délinquants.
Loin d'en être contrarié, il se plaira beaucoup dans cet endroit, un lit, du chauffage et des repas chauds tous les jours, c'était l'environnement idéal pour lui, pour profiter de l'enseignement criminel de ses petits camarades, dont certains avaient déjà un palmarès impressionnant. Il y apprit les trucs et astuces du vol à l'étalage, du vol à la tire, l'art du pickpocket et du racket. Il sortit du centre après 6 mois et s'empressa de mettre en application tout ce qu'il avait appris. Alors il entreprit un voyage retour vers Kyoto à pied et mit à profit tout son savoir. Pour vivre, il volait dans les marchés, les magasins et les maisons, couteau à la ceinture, et abordait avec insistance les jeunes femmes qu'il croisait sur son chemin, jouant de ses charmes juvéniles et de son côté petit voyou qui plaisait souvent et lui permettait parfois d'arriver à ses fins. Mais lorsque la jeune femme abordée l'envoyait paître, il devenait un autre et se mettait dans des colères noires. Dans un petit village du Kansai, une paysanne qui croisa son chemin en fit les frais. Fukage l'aborda et se montra très insistant, mais lorsqu'elle se refusa à lui et tenta de fuir, il la frappa violemment, la menaça de son couteau et la viola. C'est ce qui lui vaudra un retour à la case prison. Après avoir agressé cette jeune femme, la police le retrouva très vite et découvrit sur lui des objets signalés volés quelques jours auparavant. Cette fois, il prit 1 an de prison ferme. De retour au centre pénitentiaire de Kyoto, il y retrouvera de vieilles connaissances et reprit ses études. Il finira d'apprendre la lecture et l'écriture et commencera à lire énormément, s'intéressant de près à la littérature chinoise et aux contes, mais aussi aux écrits politiques que certains détenus arrivaient à faire passer en prison, malgré l'interdiction. Il sortira de détention à presque 15 ans, désargenté mais instruit. Dès sa sortie, il retournera voir ses amis du quartier chaud pour trouver une nouvelle activité rémunératrice. Le patron de la taverne où il avait l'habitude de traîner lui indiqua un établissement assez spécial de la région qui recrutait de jeunes garçons pour satisfaire des dames riches de la région, le tout logé, nourri et bien payé. C'est ce que Fukage fera pendant plus de 2 ans. Plutôt agréable physiquement, costaud et assez spirituel pour tenir une conversation, il deviendra le chouchou de ces dames et se fera une belle clientèle de femmes de notables et de hauts fonctionnaires qui venaient satisfaire leurs envies de jeunesse. L'une de ces bonnes dames, une aristocrate de 65 ans, lui faisait de somptueux cadeaux en échange de pratiques extrêmes et d'autres notables anonymes, qui payaient cher pour abuser de son corps juvénile, lui permirent d'amasser une petite fortune sans avoir à voler qui que ce soit. À 16 ans, il s'enquara de sa famille dont il n'avait plus de nouvelles depuis longtemps. Il les retrouvera à Kyoto, miséreux et sans domicile après la faillite de son père dont les métiers à tisser en bois avaient été remplacés par des machines en acier. Ils vivaient tous, les deux parents et ses 6 frères et sœurs, dans une étable à moitié en ruine que personne ne réclamait et subsistait grâce à la mendicité et à la générosité des moines du quartier. Il investira tout l'argent qu'il avait gagné en se prostituant pour racheter des machines modernes à son père et un petit logement pour sa famille. Dans le cadre de ses activités, Fukage avait fait la connaissance d'une riche cliente, Koko, de son vrai nom Ueno-yama Kotoni, âgée de 54 ans, veuve et mère tardive de 2 très jeunes filles. Ils emménagèrent ensemble et le jeune gigolo s'installa dans une belle maison payée intégralement par sa compagne fortunée. Pour donner le change, il passait voir son père à la fabrique et faisait mine de s'intéresser à son business, évoquant durant les dîners des anecdotes piquées de ci de là durant ses passages dans l'usine. En réalité, dès ces quelques heures de représentation terminées, il filait dépenser l'argent du ménage dans les cercles de jeu et auprès des prostituées de la ville. Accro au sexe, il ne trouva plus ce qu'il cherchait lorsqu'il rentrait au domicile conjugal, et puis, même si Fukage vieillissait, il écrira que son goût pour les très jeunes filles lui restait intact. Il décrira ses obligations de coucher avec sa femme quinquagénaire comme une corvée qui lui procurait le plus grand dégoût. Alors, il espaça les prestations horizontales et Koko s'en plaint. Habituée à consommer des jeunes gens et dotée d'un appétit sexuel certain, elle coupa les vivres à son compagnon qui n'eut plus de liquidité pour aller au Bobinard et dut faire contre mauvaise fortune bon cœur, alors il rentra au bercail et joua les maris passionnés un certain temps. Koko, elle, heureuse que son jeune godelureau soit rentré au nid, entra dans une routine matrimoniale tiède et à son tour, les semaines passant, perdit son intérêt pour la bagatelle.
alors qu'Hage se retrouva dans une situation nouvelle pour lui, commençant à penser à une alternative terrible à cette situation. Frustré de ne plus toucher sa compagne, il commença à s'intéresser à ses filles de 11 et 13 ans. Les abus commencèrent à ce moment-là, invitant même les deux petites filles à faire venir des camarades de classe. Lorsque Coco partait faire les boutiques, Fukihage remerciait les professeurs particuliers, expliquant qu'il allait s'occuper des devoirs des filles et, sous la contrainte, les violer en les menaçant du pire si elles parlaient de quoi que ce soit. La préceptrice principale en parla à son employeur, très surprise, et il ne fallut pas longtemps à Coco pour tout découvrir et chasser Fukihage de sa maison aidé par des gros bras du milieu local. Le criminel échappa de peu au lynchage et n'eut même pas le temps de prendre du change ou de l'argent, fuyant la ville à toutes jambes. Il réfléchit à sa vie en cheminant vers la forêt pour s'y mettre à l'abri et ne vit qu'une seule solution, rentrer à Kyoto et s'installer chez ses parents à nouveau. En route pour la maison qu'il venait d'acheter à sa famille, évitant les grands axes de peur de tomber sur la police, il s'arrêta au temple de Kinkakuji pour y prier pour sa fortune et demander aux dieux une solution à ce délicat problème. Alors qu'il frappait des mains pour attirer l'attention des esprits, il aperçut une fillette de 11 ans qui jouait dans les jardins du sanctuaire et cessa immédiatement ses prières. S'approchant discrètement d'elle, il lui proposa d'aller chasser des sauterelles dans le petit bois de Ryohanji derrière le temple. La malheureuse accepta. Il la viola puis il l'étrangla pour être sûr qu'elle ne parlerait à personne, terrifiée par ce qu'il venait de commettre, pas tant moralement que par peur d'être arrêté. Il décida de prendre le large et d'aller dans la province de Gunma où il avait quelques amis discrets de ceux qu'il avait connus dans les tripots et les bordels clandestins et qui posaient peu de questions. Il savait que s'il leur rendait quelques services, il pourrait sûrement avoir le gîte et le couvert gracieusement à l'abri de la justice. Mais la route était longue et il savait qu'il ne pourrait pas voler pour manger tout le long du chemin sans se faire prendre. Et puis il aimait son confort et n'envisageait plus de vivre comme un miséreux. Sans argent depuis son départ imprévu de chez Coco, il décida de retourner voir cette dernière pour négocier quelques liquidités et après tout, s'il inventait une belle histoire impliquant une part de responsabilité des enfants, son enfance malheureuse, sa frustration sexuelle causée par une épouse qui le délaissait, elle aurait peut-être pitié. Aussi saugrenu que cela puisse paraître, son plan fonctionna. Elle accepta de le recevoir après un torrent d'excuses et de larmes, écouta son histoire, peu probable, et le confronta aux deux fillettes terrorisées par leur beau-père qui, bien entendu, ne dirent rien, se contentant d'opiner du chef lorsque Fukihage leur demandait si elles avaient menti. Retrouvant le sourire, Coco le prit dans ses bras et lui offrit à boire, un peu trop. Après quelques bouteilles de Nihonshu et des galipettes consenties, il se livra, comme il le faisait souvent, sur l'oreiller et après quelques verres de trop. Il lui demanda de l'argent dans un premier temps, puis lui confessa avoir fait quelque chose de terrible et devoir quitter la région. Lorsqu'elle lui demanda si c'était en rapport avec des enfants, il acquiesça et balbutia quelques excuses et quelques regrets. Coco comprit que son amant s'était joué d'elle. Bien décidée à l'empêcher de nuire à nouveau, elle lui proposa de dormir sur place pour qu'elle puisse passer à la banque le lendemain matin. Fukihage s'endormit, soulagé et saoul, mais le lendemain matin, en se réveillant, trouva trois policiers à son chevet. Il fut menotté et conduit au poste où il ne tardera pas à avouer son meurtre après quelques heures d'interrogatoire musclé. Il sera traduit devant un tribunal pour mineurs à Osaka et prendra perpétuité en première instance. Un appel réduira sa peine à 20 ans. Sa première année de détention à Osaka ne se passa pas aussi bien que les précédentes. Habitué à la vie confortable et aux plaisirs divers qu'il retirait de ses abus, il ne supporta pas les conditions du quotidien carcéral et se rebella quasi quotidiennement. Il refusait de manger, jetant la gamelle au visage des surveillants, frappait ses codétenus dès que l'un d'eux lui faisait une réflexion sur son affaire et insultait de façon générale tous ceux qui lui adressaient la parole. En un an, il sera placé plus de 40 fois à l'isolement après s'être attaqué à des gardiens et à des codétenus. Rompu par ses punitions, cassé moralement, il finira par se calmer et se replongera dans l'étude. Il va alors se passionner pour la philosophie et dévorer Aristote, Confucius, Socrate, Nichiren et Mencius dont il absorbera toute l'œuvre durant les 16 ans qu'il passera derrière les barreaux. Calme et de bonne compagnie,
Il apprendra à se faire apprécier des autres prisonniers à qui il faisait la lecture et deviendra même ami avec le directeur de la prison avec qui il devisait des heures durant, parlant philosophie et littérature. C'est après avoir absorbé quelques ouvrages sur la psychiatrie et le système carcéral qu'il demanda à être vu par les médecins et un juge aspirant à une libération anticipée. Son ami directeur appuya son dossier. En 1922, à l'âge de 33 ans, il sortit de prison pour bonne conduite. Marqué par sa détention et sûr qu'il ne trouverait pas sa place dans la société après son acte, il rentrera voir ses parents et travaillera un temps avec son père. Personne ne se parlait et tous s'évitaient à la maison, ses sœurs qu'il avait autrefois violées ne venaient plus voir leurs parents et les clients, quand ils eurent vent du retour du fils maudit au foyer et dans l'entreprise, boudèrent le cahier de commande du père Fkiagé. Conscient du poids qu'il était devenu pour sa famille, il cherchera du travail dans d'autres manufactures, mais tous le mirent à la porte, connaissant son passé criminel et surtout l'acte ignoble qu'il avait commis. Un soir qu'il rentrait d'une journée de recherche d'emploi, un groupe d'hommes, bâtons à la main, lui tombèrent dessus et le passèrent à tabac au nom de sa jeune victime passée. Couvert de contusions, il rentrera discrètement au bercail, prit quelques affaires et fit son baluchon sans laisser de mots. Décidé à changer d'air, là où personne ne le connaîtrait, il marchera jusqu'à Nagoya pour y chercher du travail dans le quartier des tisserands. Mais le pays connaissait une crise de l'emploi et la modernisation des équipements de tissage ne nécessitait plus autant d'ouvriers qu'avant, alors il n'en trouvera pas et devra reprendre ses activités de rapine. Petit à petit, il se remit au vol à l'étalage, fort de son expérience, il ne se fit pas prendre et décida d'adopter ce mode de vie, loin de ses anciens amis voyous. Il trouvera une petite remise de temple qu'un prêtre acceptera de lui louer pour trois fois rien et vivra quelque temps, y entassant les livres qu'il volait dans les librairies ou achetait grâce aux fruits de ses larcins. Il y découvrira les écrits des penseurs libertaires japonais comme Kotoko Shosui, anarchiste exécuté en 1911 pour avoir fomenté un attentat contre l'empereur, et mêlera sa pathologie criminelle à une interprétation erronée et délirante de ses théories. Il écrira dans ses mémoires que plus rien ne lui semblait interdit et que ses fantasmes pédocriminels que la société lui refusait, il lui fallait les assouvir pour briser l'ordre bourgeois et religieux. Fort de cette conviction délirante, sa terrible équipée meurtrière commencera là. Le 2 avril 1923, pendant qu'il flânait dans un jardin public en lisant un livre, il vit une petite fille de 4 ans qui jouait avec un chat, visiblement sans surveillance. Instinctivement, il regarda à droite et à gauche et sauta sur elle après avoir confirmé du regard que personne ne les voyait. Il fera subir des attouchements à la petite malheureuse avant de déguerpir lorsque la mère commença à l'appeler. En pleurs, la petite parla d'un monsieur qui l'avait agressé et Fukiage fut intercepté par la police alors qu'il quittait les lieux précipitamment. Mais sans coordination entre les services, pas d'accès aux fichiers des détenus libérés et des délinquants sexuels, il fut libéré après avoir servi une histoire de son cru. Le soir du 21 avril 1923, alors qu'il se promenait dans un parc près du château de Nagoya, il verra une jeune fille de 16 ans qui rentrait de l'école et flânait près du petit étang lorsqu'elle passa près de lui. Il l'attrapa par le bras et lui fit un bâillon avec son autre main, puis il la tira vers un fourré à proximité. Il la violera et lui fracassera le crâne avec un galet avant de la jeter dans l'eau derrière une souche d'arbre. Lors de son procès, il dira à propos de ce crime « Lorsque je l'ai vu passer dans le parc, un grand tunnel noir s'est ouvert dans ma tête et un monstre assoiffé de mort s'est lâché. Il ne s'arrêtera plus pendant un an. Changeant de ville, de nom et de métier, il violera plus d'une centaine de filles entre 11 et 16 ans et en tuera 12 autres. À Yokohama, Tokyo, Utsunomiya, Nagano et Gunma, il sèmera la mort partout où il passera. » Adoptant une tenue élégante et cultivant ses manières, il changeait de ville et de quartier presque toutes les semaines, se présentant tantôt comme un écrivain, tantôt comme un ouvrier, un maître d'école ou un journaliste. Mais à chaque fois, le but de ce caméléon du crime était toujours le même, violer et assassiner des filles, très jeunes de préférence. Une partie des archives criminelles de Nagoya, Ichigaya et Tokyo ayant été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, l'ensemble des auditions, déclarations et comptes rendus de cette affaire ne sont souvent plus accessibles que par les journaux de l'époque, conservés dans les archives des quotidiens. Mais l'anonymisation des noms des victimes du fait de leur jeune âge et le manque de détails quant à certaines affaires
nous empêche de connaître le déroulé d'un grand nombre de crimes. Si l'on connaît le nombre de ces victimes, on n'en connaît malheureusement plus les noms ni les circonstances, mais par chance pour l'histoire et la mémoire, il y a trois meurtres plutôt bien renseignés par un long article de 1925 et les confessions de Fukiage dans ses mémoires. L'évocation de ces trois atrocités suffira à cerner les méfaits du personnage. Le 20 mai 1923, alors que Fukiage, qui avait pris un nom d'emprunt, proposait ses services à un libraire de Nagano, il repéra la fille du commerçant, Wakagi Hatsu, 12 ans, qui lisait un illustré dans l'arrière-boutique. Après avoir obtenu un contrat d'un mois, qu'il savait ne pas vouloir honorer de toute façon, il fit mine de rentrer chez lui et observa la boutique un peu en retrait des autres commerces. En début de soirée, alors que le père rangeait les livres en vitrine pour fermer, la mère sortit avec sa fille pour aller faire des courses. Il les suivit discrètement et lorsque la mère rentra chez le poissonnier et qu'il vit que la petite restait dehors, incommodée par l'odeur, il lui fit signe d'approcher. Le reconnaissant, elle ne se méfia pas et vint voir ce que le grand monsieur lui voulait. Il lui raconta que son père la demandait à la librairie pour lui donner une course supplémentaire et que sa mère était au courant. Il partit avec elle et bifurqua vers un terrain vague où il l'entraîna après lui avoir couvert la bouche de ses mains immenses. Il la viola et l'étrangla à mort avant d'ensevelir son corps sous des pierres et des feuilles, puis le lendemain, il quitta la ville, changea d'identité et se remit en quête de mort. Il viola et tua deux autres filles après cela dont les noms ne sont pas renseignés. Le 12 septembre 1923 à Yokohama, Fukiage travaillait depuis deux jours pour un primeur sous le nom de Miuda. Il avait dévoré un livre sur le maraîchage et la classification des légumes japonais et avait impressionné le commerçant par son érudition. Ce jour-là, il avait pris la charrette pour aller chercher un stock de marchandises qu'un grossiste leur avait préparé et il traversa le secteur de Sakuragicho passant devant un collège privé pour filles. Chemin faisant, il aperçut une fillette de 11 ans, Goto Kyoko, qui semblait attendre quelqu'un un peu à l'écart du portail principal. Il s'approcha d'elle et lui demanda son chemin, évoquant un quartier qu'il savait proche. Inconsciente, la jeune fille lui montra du doigt et fit quelques pas avec lui, mais quelques mètres plus tard, Fukiage lui asséna un violent coup de poing derrière la tête, coup qui assomma Kyoko pour le compte. Il la jeta dans sa charrette à bras et partit en trottinant vers l'extérieur de la ville. Arrivé dans la partie plus rurale de cette cité portuaire en pleine extension, il s'engagea dans des chemins de campagne et tomba sur une grange isolée qui servait à stocker de la paille pour les toitures. Il y cacha son véhicule et attacha la petite Kyoko à un montant en bois grâce aux liens qui servaient à faire les ballots. Il la viola une première fois mais ne la tua pas. En ôtant ses vêtements, il avait trouvé une pièce de 5 yens or dans une enveloppe que la fillette devait remettre à un professeur pour payer un voyage scolaire. Il consolida les liens et la baïonna, puis partit pour le village le plus proche afin d'acheter des bouteilles de Nihonshu, du tabac et de la nourriture. Il passera les trois jours suivants dans cette grange et viola la malheureuse à plusieurs reprises. Ses provisions épuisées, il égorgera sa victime à l'aide d'un kama, une petite faucille droite, et disparut à nouveau sans que personne ne l'inquiète. Sa mobilité et le manque de coordination entre les services de police fit que toutes ses affaires furent traitées indépendamment les unes des autres. Certains corps ne furent même pas retrouvés et les familles durent attendre que Fukiage passe à table pour retrouver leurs restes. Sa capacité à raconter des histoires et son côté caméléon, changeant de coupe de cheveux, de style de vêtements, portant ou pas ses lunettes et pouvant jouer le lettré comme l'abruti complet, fit que les témoignages, bien que parlant de la même personne, s'embrouillèrent et ne permirent à aucun moment d'identifier un suspect. Le 7 octobre, le tueur était à Otsunomiya où il travaillait comme aide-brasseur dans la brasserie de Nihonshu Kobayashi. Une fois encore, il avait recueilli suffisamment d'informations sur la profession à travers ses conversations et ses lectures qu'il réussit à donner le change et à passer pour un ouvrier qualifié. C'était une grande brasserie qui employait une trentaine d'ouvriers logés dans des petits pavillons individuels construits sur la propriété. Fukiage s'était fait embaucher là car, pour une fois, il avait prémédité son coup et avait repéré la fille des patrons, Kitio, 14 ans, particulièrement jolie et qui avait été l'égérie d'un matsuri, un festival des moissons auquel il avait assisté. Il attendit quelques jours pour se fondre dans la masse des ouvriers et le 7 au matin, alors que la jeune fille partait pour le collège, il la suivit jusqu'à ce qu'elle passe dans un quartier en construction, pas encore habité et partiellement boisé.
Il se précipita sur elle et la bâillonna de sa main, l'emportant vers un sous-bois en bordure de construction. Là, il la viola et l'étrangla avec ses mains énormes. Il arracha son foulard d'uniforme, puis dissimula son corps sous des gravats de construction avant de rentrer à la brasserie. Profitant d'une pause, il s'introduisit dans la maisonnette de l'un de ses collègues et y cacha le foulard. Le soir, il toucha sa paye de la semaine et prit congé de ses patrons avant même qu'ils aient pu remarquer le retard, puis l'absence de leur fille. Il continua ainsi son périple meurtrier pendant 6 mois, tuant encore 5 jeunes filles lors de ses passages à Tokyo, Yokohama, Saitama et Nagano. Son périple se termina à Gunma où il s'était fixé pour un temps pour y trouver un travail de journaliste, écumant les rédactions avec des projets d'articles politiques sur les émeutes du riz et l'émergence des mouvements socialistes et anarchistes dans le pays. Le 6 avril 1924, alors qu'il observait une petite marche d'ouvriers réclamant de meilleures conditions de travail et prenait des notes pour vendre un article, il remarqua une jeune fille qui portait un gros panier de linge et marchait en direction de la rivière. Il abandonna la rédaction de son papier et, poussé par son instinct de mort, la suivit jusqu'à la berge. La fille, Kadiaski Ayane, 14 ans, posa son panier près d'un lavoir et n'eut pas le temps de se retourner que Fukiage se rua sur elle et la traîna derrière le petit bâtiment qui abritait la pièce d'eau. Pour information, Fukiage Sataro mesurait 1m89 pour 97 kg et avait des mains particulièrement grandes, assez pour emprisonner le visage d'une enfant en entier. Là, il la viola puis l'étrangla à mort avant de cacher son corps derrière une butée en pierre. Alors qu'il s'apprêtait à fuir les lieux du crime et à retourner à la manifestation, il vit une autre jeune fille arriver vers le lavoir, toujours désert, panier de linge dans les bras et insouciante. Oubliant toute rationalité, il avança vers elle et un large sourire dément à la bouche tenta de l'attraper. Elle émit un cri strident et se mit à hurler au secours si fort qu'une patrouille de police qui surveillait la manifestation l'entendit. Aveuglé par sa rage meurtrière, Fukiage ne les remarqua pas. Il fut intercepté par la police alors qu'il maîtrisait sa future victime au sol avec ses grosses mains. Le corps de Ayane sera vite découvert à quelques mètres de là et il sera conduit au commissariat puis présenté à un juge. Il sera incarcéré dans la prison de Maebashi et comparaîtra devant le tribunal de cette ville de la province de Gunma où était morte sa dernière victime. Le juge le mettra en examen pour 4 meurtres, ceux de Wakagihatsu, 12 ans, Goto Kyoko, 11 ans, Kobayashi Kichio, 14 ans et Kadiaski Ayane, 14 ans aussi. Mais le premier jour des audiences, vexé, Fukiage se lèvera et, rouge de colère, criera à la cour. « Vous me prenez pour un amateur? J'ai tué beaucoup plus que ça, au moins 13 filles, peut-être plus, je ne me rappelle pas de tout. Et ne me parlez pas de noms, vous croyez que je leur demande avant de les violer et de les tuer ?» L'instruction durera encore des mois, il fallut aux enquêteurs recouper les allégations parfois totalement fantaisistes de Fukiage, toujours teinté de verbiage pseudo-philosophique et politique, pour distinguer le vrai du faux et retrouver les corps des victimes. Pour sa défense, il invoquait sa condition sociale et l'exploitation dont il avait été victime étant enfant, citait Kotoku, Sakai, Kawakami et Marx pour fustiger la société japonaise capitaliste et justifier de ses actes par une lutte de classe extrême et une rupture totale des codes bourgeois par le meurtre et la pédocriminalité. Personne ne fut dupe, sauf quelques journalistes et intellectuels marxistes qui burent ses paroles et en firent des chroniques passionnées qui l'innocentaient en grande partie, ne gardant que le côté pseudo-révolutionnaire de ses actes. Sur 13 meurtres qu'il avoua et expliqua en détail, la police ne retrouvera que 7 corps. Finalement, le 17 mai 1925, le tribunal de Maebashi le condamna à la peine capitale. À l'énoncé du verdict, son avocat, Waratani Masao, un activiste socialiste qui le défendait gratuitement, annonça que son client, sur ses conseils, commençait à écrire son autobiographie et fit appel pour lui donner le temps de la terminer. Cet appel fut rejeté le 24 avril 1926 pour absence d'éléments nouveaux, et finalement, la peine de mort sera confirmée par la Cour suprême le 2 juillet de la même année. Fukiage déclara qu'il était enfin prêt, qu'il ne voulait pas repousser l'exécution par lâcheté ou pour échapper à son sort, mais juste pour finir d'écrire son livre. Ce dernier étant achevé, il était prêt à mourir.
Il fut pendu à la prison d'Ichigaya le 28 septembre 1926. Il déjeuna des traditionnels mandio et du thé accordé aux prisonniers, admira le premier exemplaire de son autobiographie, Shaba, paru quelques jours auparavant, et remercia son avocat pour la qualité de la reliure. Puis il salua le prêtre en déclinant son offre de service et le directeur de la prison poliment. Il posa son chapeau et monta à la potence. Il refusa le sac noir que l'on place habituellement sur la tête des condamnés pour pouvoir admirer le soleil qui dardait derrière les fenêtres grillagées de la salle d'exécution. C'est lui qui leur indiqua qu'il était prêt par un trait solennel. « Messieurs, je vous en prie, faites !» Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et a appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de mettre un petit pouce en l'air et de partager autour de vous. Chaîne démonétisée devant l'éternel, c'est le premier soutien que vous pouvez m'apporter. Si vous le pouvez et le voulez, vous pouvez soutenir la chaîne en me laissant un petit pourboire via Tipeee et Utip. Et merci à ceux qui le font déjà. En laissant un Super 5, ce petit cœur sous la vidéo, en rejoignant l'unité Satsujin, le bouton « Rejoindre » juste dessous, ou en allant faire un tour sur la boutique satsujin.fr, vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les nouveaux t-shirts en série limitée, sérigraphiés à la main, des prints et des CD. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, j'essaie d'y être présent et de vous tenir au courant des sorties à venir. Voilà. Je vous laisse l'autopsie de l'humanité encore besoin de mon scalpel. Matane.